aujourd'hui pour un vlog. J'espère que vous allez bien. En fait, ça fait deux fois que je suis en train de recommencer l'intro parce que je viens de la supprimer sans faire exprès. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. On est combien? Nous sommes le lundi 9 août. Nous sommes actuellement en camping. Il y a des gens qui me font coucou de l'autre côté, de dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle. Donc je suis au camping Ciblou, la réserve à Gast exactement. Je suis avec les garçons, mes parents, ma soeur et mon beau-frère. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi toute la journée aujourd'hui. Et je pense que je vous emmènerai aussi d'autres jours. Mais voilà. Donc, là je vais vous présenter un petit peu le camping et vous expliquer ce que font les garçons. Owen, tu vas où? Au mini club. Je te vois pas avec ta casquette. Bon, ça y est, on a déposé Aaron et Owen. Bon, ils les connaissent un peu déjà, enfin surtout l'animatrice d'Owen, Margot. Je crois que c'est Margot que j'ai vu qu'elle s'appelait. Elle connaît déjà Aaron et Owen parce qu'elle nous a regardé à la télé, donc elle a dit ah mais je vous connais vous. Donc ça y est. Donc je pense que ça va bien se passer, ils sont pas dans le même groupe. Aaron il est dans le groupe des Barracuda et Owen dans les groupes des Pirates, si je dis pas de bêtises. En plus ils sont contents parce qu'ils ont un petit cadeau, Aaron il a une paire de lunettes et Owen lui une belle casquette avec un pirate. Je vous montrerai tout à l'heure parce que là il y avait beaucoup d'enfants. Donc j'ai pas trop envie de montrer les enfants, j'ai pas l'accord des parents. Hein. Et puis là il y en a vraiment 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 beaucoup. Donc je vous filmerai un petit peu le mini club et tout à l'heure quand il y aura moins de monde. Voilà, donc là on va rentrer un peu au mobilhome. Je vais déjeuner parce que moi j'ai pas pris le temps de déjeuner et puis après on va voir ce qu'on fait. En tout cas on est tranquille ce matin, on n'a pas d'enfants, c'est top ça. Bon, on va se promener un petit peu dans le camping, donc je vais vous faire visiter. Je capte absolument rien du tout ici par contre, ça c'est un truc de fou. Bon, en même temps le camping il est un peu dans la forêt. Du coup je suis obligée de me mettre juste ici, là, avec une chaise pour capter. Donc les gens ils doivent se dire mais c'est quoi cette commère qui prend une chaise et qui se met à côté de la route, qui nous regarde passer, mais pas du tout en fait. Hein. C'est juste pour capter un petit semblant de 4G pour pouvoir mettre mes stories. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous le mets en barre d'infos. Et juste ici, c'est vraiment là-bas où je poste le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. On arrive au niveau de la supérette. Donc il y a un petit casino où vous pouvez faire vos courses. Et là, ça va être le niveau du mini-club. Vous avez une aire de jeu. Bah tiens, il y a Owen qui doit être là-bas avec les casquettes bleues un peu long. Plus loin. Alors vous avez même des locations de vélos, il y a des petites sortes de Rosalie et vous avez des petits quads mais à pédales. Et vous avez même un endroit pour acheter du pain, les viennoiseries. Passing every red light. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Récupérer les garçons, regardez. J'ai un Hulk à la maison. C'était cool? Oui. Ouais. Tu voudrais retourner cet après-midi? Oui. Ouais. Et là j'ai un grand. Lui il a une belle paire de lunettes et tu bon bien en plus. Et du coup lui il a été au lac et puis bon après il a fait des petits jeux, c'est ça? C'était sympa. Bon après Aaron maintenant c'est un pré-adolescent. Hein. C'est plus un petit bébé. Hein? Oui. Bon, on arrive au coin de l'accueil. Et vous pouvez acheter ici vos mobilhomes. Donc il y en a d'occasion et il y en a des neufs. Franchement, il y en a qui sont trop trop beaux. Vous en avez pour tous les prix. Je vais essayer de vous en montrer un tout à l'heure. Donc vous pouvez acheter votre mobilhome et après venir quand vous voulez dans le camping. Vous pouvez venir aussi au camping pour les visiter. Même si vous n'êtes pas là en vacances, vous pouvez venir pour visiter. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Je vais vous montrer. Commencer à l'intérieur, vous pouvez les acheter et puis après vous venez quand vous voulez, c'est vraiment top. Alors regardez par exemple là vous en avez un 45 m². Bon après il y a plusieurs prix, vous pouvez venir directement en camping voir, il y a les propriétaires qui sont là, vous pouvez directement venir et puis visiter à l'intérieur.
Alors il est vraiment immense hein, par contre hein. Comme je vous ai dit, c'est un 45 mètres carrés celui-ci. Il est vraiment vraiment très grand. Donc bon, après vous avez tous les prix hein. Vous pouvez directement venir voir. Donc il y a deux chambres et une salle de bain. Je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez. Donc, regardez, il est vraiment moderne et super lumineux, super grand. C'est vraiment trop trop beau hein. Franchement, regardez-moi le séjour, super grand. Donc là je suppose vous pouvez mettre la télé. Vous avez une grande cuisine, mais elle est immense. Et franchement, on dirait un appartement. De quoi manger. Ensuite, quand vous avancez par là, vous avez un toilette. Hein. Voilà. Attention, j'ouvre la porte. Alors eux, ils sont pas à vendre avec le mobilhome, quoique au moins ça me fera des vacances. Ensuite, une première chambre. C'est vraiment grand, grand et très très lumineux. Oh là là, la chambre elle est bien. Vous avez des rideaux et tout pour fermer, enfin des volets. C'est trop bien. Regardez, mais j'aime trop. Vous avez un toilette ici et un dressing. C'est ouf. C'est ouf. My god, mais j'en veux, ça y est, je vais acheter un mobilhome, je crois. C'est grave ouf. Et la salle de bain. Voilà. Qui est très grande aussi, vous voyez, il y a une grande douche. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très grand. Hein. Je me répète encore, mais c'est vraiment grand et très lumineux et très moderne. Donc, vous en avez aussi des plus petits. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Je vais pas rentrer dedans parce que je peux pas rentrer dans tous. Mais par exemple, celui-ci fait 28 mètres carrés. Il y a quand même deux chambres, une salle de bain. Et vous voyez, bah, vous pouvez. Il est moins cher, hein, 21 977. Et vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Et vous en avez vraiment plusieurs. Allez, là, je vous montre un deuxième vraiment vite fait. Donc, celui-ci, c'est un 29 mètres carrés avec deux chambres, une salle de bain. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi super lumineux, super grand. Puis c'est moderne, quoi. Donc, c'est top. Vous avez une chambre, un toilette. Qu'est-ce que c'est ici? Un petit rangement. Voilà, un petit rangement. Et je suppose que là, une autre chambre. Et là, ça doit être la salle de bain. Les douches, elle est immense. On peut rentrer à 4 dedans. Voilà. Ça va être l'heure de manger. Ouais, tout de On a fini de manger, on retourne au mini club. Il est 15h, c'est jusqu'à 17h. Non mais regardez-moi la taille du bordel. Vous voyez la taille du truc? Mon dieu. Tu vois? Oh, je viens de faire une découverte avec ma soeur. En fait, il y a plein de mini golf. Il y a des trucs de mini golf, il y a des trucs de sport derrière. Ils jouent même des trucs de tir à l'arc au bout. Il y en a qui sont en train de le faire. On va peut-être aller voir, tiens. Bon, le tir à l'arc, il est juste derrière. Là-bas. Ça, c'est top aussi. Je pense que ça plairait à Aaron. On viendra d'arriver au lac. Là, vous voyez, il y a des bateaux qu'on peut louer. Et il y a un grand lac. On peut se baigner. On peut louer des canoës. Des pédalos. Vous avez un endroit pour jouer au pitch volley. C'est vraiment bien. Oula, il y avait un trou. Je vais me tomber. Voilà, des petits pédalos qu'on peut louer avec les toboggans dessus. Et je pense que les garçons vont bien aimer faire ça. J'espère qu'il n'y a pas de crocodile dans les temps, quoi. Petit se promener avec Lucie. Et regardez. Derrière, là-bas. Bon, là, il y a les ados, le club des ados. Il y a le club d'Aaron. Alors, je suis en train d'espionner. Non, en vrai, j'espionne pas. Mais comme on passe à côté... Regardez. Ils sont là. Allez, on essaye de bouger. Ouais, ouais, ouais.
Il a pris une petite lampe qui ne fonctionne pas. Je viens de me rendre compte que j'avais des morceaux de vidéo qui ont disparu. Donc je ne sais pas comment ça se fait, où ils sont partis. Bref, donc juste après, vous allez voir, on a été au spectacle d'hypnose. En fait, il y avait un monsieur qui était là pour faire de l'hypnose. Moi, j'ai déjà été hypnotisée et j'y croyais pas au début. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Je sais pas si j'ai des stories à la une sur mon Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, je vous laisse juste avec le passage maintenant. Bon, ça y est, on s'est dépêché, on a trouvé une table devant. Enfin, il y avait du monde, et comme il partait, on a vite sauté sur la table. On avait juste pas de chaise, donc on a dû en chercher un petit peu à droite, à gauche. Mais on est tout devant parce que la scène est juste là. Je sais pas si vous allez voir. J'ai hâte, ça commence. Hein ? Alors, je ne peux faire un spectacle d'hypnose dans un camping, surtout sans faire une élection. Ce soir, ils vont venir défiler face à vous. Je n'ai pas clôturé le vlog aussi, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à mettre plein de commentaires. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà été hypnotisé, pourquoi, si ça a fonctionné sur vous, etc. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.